Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un gros souci pour les Français pendant ce mois d'août ensoleillé, les augmentations. Depuis la semaine dernière, la liste a tendance à s'allonger. Les dernières hausses en date, vous les connaissez. Il s'agit des cigarettes blondes à partir d'après-demain. Il y a aussi le téléphone et les chèques postaux, sans doute prochainement. Et puis aussi les transports parisiens. Et à ce sujet, nous avons des précisions depuis ce matin, puisque M. Chaman, le ministre des Transports, a tenu à donner lui-même quelques explications et quelques précisions au cours d'une conférence de presse. À partir du 20 août prochain, donc, le ticket de métro bus de seconde classe va passer de 0,70 à 0,80 francs, cela au carnet pour les titres de transport au détail. Le ticket passera de 1,10 francs à 1,30 francs. Et à partir de la même date, les tarifs SNCF de la banlieue parisienne seront également majorés. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, à partir du 20 août prochain aussi, des titres combinés de transport entre la SNCF banlieue et le métro et les autobus banlieue et le métro. Et puis enfin, les titulaires hebdomadaires de la carte de travail ne seront pas touchés par ces hausses. Voici l'essentiel donc de cette conférence de presse. Jacques Idier a ensuite posé quelques questions à M. Chaman sur l'opportunité de ces augmentations. Cette hausse est décidée en plein mois d'août, lorsqu'une grande partie des Français sont en vacances. Et on a un petit peu l'impression que le gouvernement profite justement de ces vacances pour décider de ces hausses. Oui, c'est l'apparence. En réalité, le gouvernement avait décidé de majorer les tarifs de transport de la région parisienne dès le 1er janvier dernier. Pourquoi n'a-t-il différé l'application de cette mesure jusqu'à la date du 20 août? Pour une raison très simple et qui d'ailleurs rejoint les explications que je viens de vous donner. Comme le gouvernement, dès l'origine, avait le souci de ne pas toucher au prix de la carte hebdomadaire du travail, il voulait naturellement trouver le moyen de financer la perte de recettes qui allait en résulter. D'où l'idée par conséquent de mettre à la charge des employeurs de la région parisienne ce versement dont je vous ai entretenu il y a un instant. Or, le projet de loi n'a été discuté par le Parlement qu'au dans le courant du mois de juin. Il a été promulgué au mois de juillet et le décret d'application est en cours de rédaction. Il sera publié très prochainement et s'appliquera à partir du 1er septembre. Par conséquent, nous avons fait à peu près coïncider ces deux dates. Voilà uniquement la raison pour laquelle la décision d'appliquer cette majoration vient d'être prise et ne sera appliquée qu'au mois d'août. Malgré tout, l'un des soucis, semble-t-il, du gouvernement, c'est de limiter la hausse des prix. Or, le gouvernement décide lui-même d'une hausse des prix. Est-ce que cette hausse n'était pas évitable? N'est-ce pas? Nous sommes en présence d'un problème dont les données sont en général bien connues. Les entreprises publiques de transport de la région parisienne connaissent un déficit d'exploitation qui est relativement important, puisque je vous rappelle que pour l'année 1970, il s'est élevé à la somme de 1,395 milliards de francs. Par qui ce déficit est-il supporté? Essentiellement par les collectivités publiques, c'est-à-dire par l'État et les collectivités locales de la région parisienne, c'est-à-dire en fin de compte par l'ensemble des contribuables. Il peut paraître qu'il y a un certain manque d'équité à faire supporter par des contribuables de province le déficit de transport en commun de la région parisienne qui ne les concerne pas. Mais de toute façon, l'appel au budget de l'État et l'appel au budget des collectivités locales reste indispensable, dans toute la mesure du possible, nous souhaitons naturellement le diminuer et l'alléger. D'où la nécessité, par conséquent, pour se procurer un supplément de recettes, de faire appel à une majoration que nous avons tout de même voulu modérer des tarifs, et encore une fois, majoration dont se trouve exemptée une catégorie importante, une proportion même considérable d'usagers. J'ajouterai une dernière considération pour répondre à votre préoccupation. C'est que l'économie relative que va faire l'État en ce qui concerne sa participation au déficit d'exploitation des entreprises de transport en commun de la région parisienne, il va la transférer sur les investissements en faveur des transports en commun de la région parisienne. Et ceci est conforme au plan d'aménagement et de réorganisation des transports que nous avons annoncé, et qui va se traduire notamment par un accroissement de la capacité de transport et mieux encore par une amélioration du confort des transports en commun.
Voilà donc pour ces précisions apportées ce matin par M. Chamant. Au même moment, et comme prévu d'ailleurs, une délégation composée de syndicalistes et de représentants des partis de gauche s'est présentée à l'hôtel Matignon ce matin, mais aucune demande officielle n'avait été formulée auprès des services du Premier ministre et la délégation n'a pas été reçue. Il s'agissait d'une délégation pour protester justement contre ces hausses des tarifs des transports. Et au moment où on parle d'augmentation, les Français ont trouvé ce matin dans leur journal une page entière de publicité signée du ministre de l'Économie et des Finances. Dans tous les journaux français, à l'exception de l'Humanité, M. Giscard d'Estaing a voulu souligner un bilan positif dans le domaine des réserves de la France en or et en devises. Grâce au travail des Français, dit le ministre des Finances, la France a remboursé le 9 août 71 l'intégralité des dettes contractées au cours des dernières années et augmenté ses réserves en or et en devises de 5 milliards de dollars. Et le ministre des Finances conclut, l'effort continue. Cela mérite malgré tout quelques explications, Michel Tardieu, au moment où justement on se fait quelques soucis du côté des prix. Bien, il n'y a pas de rapport direct entre ces réserves et les soucis du gouvernement du côté des prix des services publics, bien évidemment. Parce que les réserves, après tout, ne sont que la contrepartie de la circulation du franc en France. Et si le gouvernement puisait dans les réserves de la Banque de France, les réserves de devises, pour des usages intérieurs, il faudrait en même temps limiter la circulation des billets. Donc finalement, ce serait une opération blanche pour l'économie et les Français ne seraient pas plus riches pour autant. Mais ce n'est pas la première fois que le ministre des Finances recourt à ce genre de publicité pour signaler que le franc va bien. Il l'avait déjà fait au début de 1968, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais bien sûr, à l'époque, la position forte du franc avait été balayée par les événements de mai de la même année. Et cette fois-ci encore, du côté du gouvernement, on se demande ce que réservent les mois qui viennent, parce que, bien sûr, les syndicats se montrent de plus en plus virulents en ce qui concerne la hausse des prix, et ils demandent, bien sûr, la défense du pouvoir d'achat. Le malentendu entre le gouvernement et les syndicats est toujours le même, il est très grand. Le gouvernement et tout spécialement le ministre des Finances disent que la hausse des prix résulte de la hausse des coûts de production et notamment de la hausse des coûts de salaire. Et les syndicats disent qu'il faut augmenter les salaires parce que les prix augmentent. C'est la fameuse course prix-salaire. Le gouvernement dit que les salaires ont commencé. Les syndicats disent que les prix ont commencé. Alors comme toujours dans ces cas-là, le gouvernement se retranche vers la politique de concertation. On dit qu'il faudrait mettre en place une politique des revenus. Mais c'est bien sûr dans ce domaine-là que la concertation est la plus difficile parce que c'est là que le choc des intérêts particuliers est le plus dur. Quant à la bourse, elle réagit peu car après tout, les prix qui augmentent ne sont pas ceux des entreprises cotées. Ici la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel. Nous retrouvons Michel Tardieu tout à l'heure pour les cotations. Sur la scène internationale, à nouveau une explosion de violence en Irlande du Nord. Un mort par erreur à la fin de la semaine dernière et les émeutes ont recommencé. Il y a eu à nouveau un tué à Belfast au cours de ces dernières heures et la situation, Daniel Estève, est extrêmement tendue. L'Irlande du Nord vient de connaître l'un des week-ends les plus violents enregistrés depuis 2 ans. Les combats de rue se sont poursuivis sans interruption depuis samedi à Belfast. Des troubles ont également éclaté à Londonderry et dans plusieurs autres villes du pays. Le signal de ces nouvelles émeutes a été donné samedi matin par la mort d'un catholique à Belfast. Un soldat avait confondu les pétarades d'une camionnette avec des coups de feu. Il a tiré et tué le conducteur, un père de 6 enfants. Aussitôt, des petits groupes de jeunes gens se sont lancés à l'attaque des patrouilles de soldats et de plusieurs postes de police. Les émeutiers ont dressé des barricades, incendié des véhicules et lancé des bombes à clous sur les forces de l'ordre. Bilan de cette journée, 1 mort et 8 blessés par balle. Hier dimanche, les commandos de l'armée clandestine irlandaise sont entrés en action. Des patrouilles de soldats ont été prises sous le feu des tireurs isolés de l'IRA. 2 soldats ont été blessés. L'un d'eux est mort ce matin à l'hôpital. Devant la gravité de la situation, une vaste opération antiterroriste a été déclenchée. Toute personne arrêtée est désormais soumise à l'internement administratif et le gouvernement vient de décider d'interdire pour 6 mois tout défilé ou proteste ou procession sur le territoire de l'Irlande du Nord. Autre titre à l'étranger aujourd'hui, la signature d'un accord entre l'Inde et l'Union soviétique, et cela à l'occasion de la visite de M. Gromyko à la Nouvelle-Delhi. Il s'agit d'un traité d'amitié et de non-agression, un accord, Georges Pitaev, qui risque de provoquer des réactions du côté de la Chine, mais aussi du côté du Pakistan. Rarement un document diplomatique aura été signé plus à chaud. Ce matin même, alors que les manifestations de ce genre se multiplient dans les villes indiennes, M. Gromyko, représentant Moscou et son collègue indien Swaran Singh, ministre des Affaires étrangères, signaient à la Nouvelle-Delhi un pacte d'amitié et de non-agression d'une durée de 20 ans. Il s'agit dans l'immédiat de désamorcer une crise qui menace de tourner à la guerre ouverte entre les frères ennemis du sous-continent indien, l'Inde et le Pakistan.
En effet, tandis que des milliers d'Indiens manifestent chaque jour en faveur de l'autonomie du Pakistan oriental, chez le voisin pakistanais, l'armée est soumise à une intense campagne psychologique que tous les journalistes appellent la « Crush India Campaign », c'est-à-dire « écraser l'Inde une fois pour toutes ». À l'origine de cette préparation à la guerre, la tragédie du Pakistan oriental, d'où 8 millions de paysans ont déjà fui pour se réfugier en Inde. Le pacte Moscou-New Delhi n'obligerait pas les Russes à intervenir militairement en cas de conflit, mais l'URSS serait du côté des Indiens. Or, on sait que le Pakistan a l'appui de Washington et de Pékin. A signaler encore à l'étranger les protestations du gouvernement japonais à propos de la dernière expérience nucléaire française à Mururoa. Tokyo demande une nouvelle fois l'arrêt des expériences nucléaires françaises. Il s'agissait du quatrième essai de la série 1971. Il devrait y en avoir en tout de 6 à 8 d'ici début septembre. Un rendez-vous à noter dès maintenant pour Télésoir. Il s'agira d'une interview exclusive du général Oufkir par notre envoyé spécial Claude Guénière au Maroc. Cela après la formation bien sûr du nouveau gouvernement marocain. Le général Oufkir s'occupe maintenant de la défense nationale après avoir passé 7 ans au ministère de l'Intérieur. Pour le reste de l'actualité, au chapitre des vacances, au moins une bonne nouvelle, la météo. Il fera beau temps pratiquement sur toute la France aujourd'hui, avec des températures qui généralement seront en hausse. Simplement quelques nuages à signaler du côté de la Manche. Si vous devez prendre l'avion, renseignez-vous. Il pourrait bien y avoir encore quelques petites perturbations du côté de ces transports. Les aiguilleurs du ciel ont cessé leur grève du zèle, mais ils ont quelques soucis du côté du matériel technique et notamment de ce fameux ordinateur qui était tombé en panne. Et il se pourrait d'ailleurs que les employés des tours de contrôle reprennent leur mouvement ces jours-ci. Et puis, les hippies de Palavas-les-Flots font à nouveau parler d'eux. Hier, ils avaient improvisé une sorte de danse du scalp autour de la gendarmerie. Et ce matin, et pour la seconde fois, le nouveau camp qu'ils avaient installé près de Palavas a été investi à nouveau par les gendarmes. Regardez. Depuis ce matin, il n'y a plus de village sauvage sur la plage de Maguelon, près de Palavas. Malgré l'arrêté d'expulsion dont ils faisaient l'objet, 135 jeunes avaient à nouveau décidé d'occuper les lieux. Pour les obliger à partir, une opération de police a été déclenchée ce matin à 4h30. Un détachement de CRS, gardes mobiles et gendarmes a bouclé le camp. Par groupe de 4, garçons d'un côté, filles de l'autre, les jeunes gens ont été invités à monter à bord de camions qui devaient les transporter à la gendarmerie de Castelnau-le-Lez, distante d'une quinzaine de kilomètres. Pas d'accrochage au cours de cette opération qui a tout de même duré 5 heures. Dans les locaux de la gendarmerie, vérification d'identité et contrôle sanitaire se poursuivaient encore il y a quelques instants. Dans le groupe, de nombreux étrangers et aussi beaucoup de mineurs de 16 ans munis, il est vrai, d'autorisation paternelle. Une trentaine de membres du Front de libération des jeunes, reconnus pour avoir participé aux incidents précédents avec les forces de l'ordre, sont actuellement gardés à vue. Les autres cheminots de l'été commencent à se disperser au hasard des routes. Un rassemblement beaucoup plus calme s'est déroulé pendant ce week-end du côté de Rouen. Il s'agissait de la Convention internationale des Tziganes. Près de 10 000 gitans venus des quatre coins de l'Europe se sont retrouvés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un reportage de notre équipe de Rouen. Ils étaient 7 à 8 000 tziganes réunis dans les environs de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray exactement. Ils venaient de tous les coins de France et d'Europe afin de participer à leur convention évangélique internationale annuelle qui s'est déroulée du 6 au 8 août. Dans cet immense terrain vague de la zone industrielle, les caravanes entouraient un grand chapiteau dressé pour le culte. Tandis en effet que dehors, les enfants jouaient, les adultes, sous le chapiteau, priaient et chantaient des cantiques. Très nombreux sont en effet les tziganes, les roms, les manouches, les gitans, convertis à cette religion chrétienne, la religion évangélique qui, dans ses préceptes, tente de retrouver la vérité de la foi des premiers âges du christianisme. Et la foi est grande chez ces tziganes, une foi d'ailleurs très joyeuse, à leur image, vive, enjouée et sincère cependant. Du
Durant ces trois jours, le grand chapiteau a longuement retenti des prières, des professions de foi enthousiastes, des cantiques chantés avec cœur. Les prédicateurs se relayaient sur l'estrade, racontant leurs expériences personnelles, engageant les fidèles à les suivre dans la voie qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Une foi joyeuse, je l'ai déjà dit. Et les violons tziganes en sont une preuve supplémentaire. Le grand moment du dernier jour de la convention devait être celui des baptêmes. Baptêmes d'adultes, car selon la religion évangélique, seuls peuvent être baptisés ceux qui croient. Les enfants sont trop jeunes pour faire sincèrement une profession de foi. Ils sont cependant présentés, très jeunes à Dieu, présentés seulement, pas baptisés. Le baptême ne peut se faire que s'il est vraiment désiré par celui qui se sent visité par le Seigneur et comme aux premiers âges de la chrétienté, il se fait par immersion et pour les adultes seulement. Dernière minute, il s'agit d'une perspective de voyage pour Monsieur Pompidou. Monsieur et Madame Pompidou, qui répondant à l'invitation du Shah d'Iran, se rendront en Iran les 14 et 15 octobre prochains, et ça à l'occasion des cérémonies du 2500e anniversaire de l'Empire. Avant de terminer ce tour de l'actualité, je voudrais vous présenter trois photos qui marquent la fin d'une belle aventure. Scott, Warden et Irwin viennent de retrouver leur famille. Vous voyez chacun d'entre eux au moment de ses retrouvailles avec son épouse ou ses enfants. Au moment de leur arrivée à Houston, l'accueil a été bien sûr triomphal. Pour la première fois, en effet, les astronautes sont libres de leur mouvement tout de suite après l'expérience. Ils n'ont pas à subir de quarantaine. Et puis cette déclaration de Neil Armstrong, qui fait tout de même un petit peu rêver. Selon lui, une liaison commerciale entre la Terre et la Lune serait possible avant l'an 2000. Voilà pour ce tour de l'actualité. Les sports maintenant, Hebdo Midi, Michel Drucker. Eh bien, comme chaque semaine, le lundi est pour le commentateur sportif un jour de bilan, un jour d'analyse. Un bilan particulièrement positif pour les nageurs français et en particulier pour les nageurs du cercle des nageurs de Marseille qui se sont encore signalés ce week-end à Morzine en remportant le 4 x 200 mètres nage libre messieurs en 8 minutes 9 secondes de dixième. C'est un nouveau record de France pour Mosconi. C'est le cinquième pour Mosconi que vous voyez sur cette photo, entouré de ses trois camarades du relais 4 x 200 mètres nage libre messieurs. Alain Mosconi et aussi Claude Mandonneau, qui a été la plus titrée. Claude Mandonneau, la nageuse de Limoges, a remporté 5 titres. 5 titres qui viennent s'ajouter aux 14 précédemment remportés depuis qu'elle nage en compétition, c'est-à-dire depuis 5 ans. D'autres champions méritent ce matin également une mention spéciale, ce sont les Springboks. Les fameux Springboks qui ont terminé invaincus leur tournée en Australie, ils ont gagné leur dernier test hier, 18-6. Ce sont aussi les footballeurs de Sochaux qui ont terminé invaincus leur match de préparation au championnat de France. Sochaux sera une équipe à suivre cette saison. Nestor Combin, quant à lui, a marqué 3 des 5 buts de sa nouvelle équipe, le football club de Metz, qui a battu l'Union luxembourgeoise hier par 5-0. Combin sera lui aussi une attraction de ce championnat dont nous poursuivrons ce soir la présentation dans l'information première avec l'Olympique de Marseille. Cette présentation se terminera mercredi soir à Télésoir, quelques secondes seulement avant le coup d'envoi de cette nouvelle saison. Course croisière, course en solitaire, on en parle beaucoup. Des nouvelles des concurrents de la course en solitaire Brest-Santander-Pornic. Au dernier pointage, c'est Pierre Bonnet qui est en tête à 30 000 de Santander en Espagne, la côte nord de l'Espagne, où il est attendu en fin d'après-midi. Malinowski est second à environ 8 000 de Bonnet, les autres sont très loin. Que se passe-t-il maintenant dans le Fastnet, la dernière épreuve de la fameuse course Amiral Cup à laquelle participe, vous le savez, M. Hiss, le premier britannique? C'est ce que Denis Ferdé va nous dire maintenant. Au large de Land's End, le point le plus au sud de l'Angleterre, c'est le bateau américain American Eagle, vainqueur en 1969, qui était en tête. Le Morning Cloud, à bord duquel se trouve M. Hiss, capitaine de l'équipe britannique, était repéré à 25 000 derrière le voilier américain.
Parmi les yachts les mieux placés au handicap figurent le Cervantes 4 britannique, Ragamuffin de l'Australien Sid Fisher et l'une des vedettes de cet Admiral's Cup, Gitana 5, barrée par Dick Carter et appartenant au baron Edmond de Rothschild. Tout va dépendre des conditions atmosphériques, des grains sont prévus et un vent très fort souffle sur la course. Les concurrents doivent virer le Fastnet au sud-ouest de l'Irlande et revenir par l'est jusqu'à Plymouth où sera jugée l'arrivée. Actuellement, l'Angleterre mène devant l'Australie avec 22 points d'avance dans le classement de la Cup. Athlétisme, à Helsinki, le compte à rebours est maintenant commencé. La ville où se disputèrent les Jeux de la 15e Olympiade en 1952 vit déjà à l'heure des 10e championnats d'Europe qui s'ouvriront demain fin d'après-midi. 29 pays participent pendant 5 jours à cette épreuve très importante que nous suivrons largement sur notre antenne, sur la première chaîne, pendant 5 jours. La France a envoyé là-bas 70 athlètes, c'est la plus forte délégation française jamais envoyée à l'étranger. Et à la tête de cette délégation, le capitaine, un jeune Jacques Pagny, le sauteur en longueur, que Jean Payet avait rencontré à l'occasion des récents championnats de France. Jacques Pagny va nous parler de l'esprit d'équipe, du capitanat, et vous entendrez également au cours de ce reportage quelques-uns des athlètes présents à Helsinki. L'obsession d'un athlète est d'arriver premier. Est-ce cela qui lui donne un masque assez sévère souvent ? Oui, c'est-à-dire que le gars qui vient au championnat de France, quand même, a des chances. Vient là pour faire premier. Et cette place de premier, là, il en a rêvé pendant quand même pas mal de temps. Et je pense qu'on est. C'est avec cet attrait qu'on est concentré et qu'on arrive à se sortir les performances que l'on sort. Sans le psychisme, certainement, l'athlète irait beaucoup moins loin que les performances qu'il fait dans ces championnats. Jacques Pagny, 8m2, champion de France. Capitaine de l'équipe de France, est-ce un bon présage pour Helsinki ? Un bon présage, oui. Pour moi, personnellement, je suis assez content. Pour toute l'équipe, mais après, c'est autre chose. On a eu des championnats assez contrariés par la pluie, par le mauvais temps. Et je pense que c'est assez dur de faire des pronostics dès maintenant. Je crois que les sélections sont très dures. On a le droit à 3 hommes par épreuve qui ont réussi les minima. Autrement, un homme par épreuve qui n'a pas réussi les minima. Je pense que ça fera un groupe de 90 à peu près. C'est ces gars-là qui m'ont élu capitaine. Comment est-on élu capitaine de l'équipe de France ? Bon, c'est très simple, on est élu capitaine de l'équipe de France par un vote tout simple. On a tous notre petit papier et on vote le gars que l'on a choisi pour représenter l'équipe. Hommes et femmes ? Hommes simplement. Les femmes élisent aussi un capitaine. L'équipe de France est très jeune, alors on ne voulait plus un certain noyau en athlétisme que... Que ce soit, si vous voulez, un ancien, qui soit capitaine de l'équipe de France. Alors c'est de ce fait-là on a donc fait nommer Pagny, parce qu'il représente déjà un gars de très grande valeur, et en plus, c'est un gars intelligent, et qui pourra, si vous voulez, nous débrouiller dans certains problèmes avec la fédération, notamment justement sur le fait pour les déplacements en meetings internationaux, ce qui nous permettrait justement de faire les performances. Et justement là, il y a quelques petits trucs parce qu'il y a une certaine élite, si vous voulez, qui vend des placements et l'autre qui ne vend pas. Alors il faudrait, pour avoir de meilleures performances, envoyer quand même un maximum de Français dans les pays étrangers, par exemple en Russie ou tout ça, ou aux États-Unis même, pour rencontrer les meilleurs. Harry Elliott, il y a combien de temps que vous appartenez à l'équipe de France ? Ça doit faire 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans peut-être. Enfin, je compte pas exactement. Et vous avez senti une amélioration, un changement dans l'esprit de cette équipe ? Un changement dans l'esprit, oui. Une amélioration, c'est peut-être pas une amélioration. Disons que maintenant, les performances sont tellement élevées que, disons, on ne peut plus s'amuser. Parce qu'avant, quand j'ai démarré l'athlétisme, j'ai sauté avec des garçons comme Dugarreau et Fournier. Bon, bah, ces gars-là, disons qu'ils s'amusaient, quoi. Hein ? Donc j'ai démarré avec cet esprit-là. Et maintenant, on ne s'amuse plus du tout en sport. C'est un sport de très haute compétition. Il faut s'entraîner pratiquement tous les jours. Donc, c'est plus un amusement. Quoi. Mais vous avez accueilli quand même avec plaisir des jeunes comme Guy Dru, par exemple. Ah oui, oui, bah ça c'est différent. Lui, il est arrivé en équipe de France. On ne peut pas dire que c'est un cas, mais enfin, disons que c'est un champion, un super champion. Ah bah moi, c'est-à-dire que c'était tout nouveau. J'arrivais de la province, j'étais tout jeune, puisque j'avais 16 ans et demi. Alors évidemment, me retrouver là, les champions que je les avais vus derrière l'écran, derrière le petit écran, ça me passionnait. Puis d'un seul coup, passer de l'autre côté de la barrière et puis me retrouver côte à côte, quand même avec de fortes relations d'amitié, c'était vraiment merveilleux. Donc quand on aborde la haute compétition, il faut se sentir entouré, il faut qu'il y ait un certain enthousiasme dans l'équipe. Pagny a donc raison de vouloir donner de l'enthousiasme à l'équipe de France.
Ah oui, ça c'est. De toute façon, c'est un des rôles du capitaine. Il faut d'abord que ce capitaine soit aimé de tous, et c'est le cas pour Jacques. Et il faut aussi qu'il sache donner à l'équipe un esprit, vraiment, comme vous dites, un enthousiasme. Et c'est dans ces conditions-là que se réalisent les meilleures performances, puisque chacun est là pour se soutenir l'autre. Et dans une grande compétition, c'est absolument obligatoire. Il faut que l'athlète ne doit jamais se sentir seul. À partir de si jamais il se sent tout seul, c'est fini. Je crois qu'il doit se sentir seul au bon moment, c'est-à-dire quand il est face à l'obstacle. Mais avant, il doit se sentir soutenir quand même par tous les autres. L'esprit de copain, ça fait partie de la réussite. Quel est le rôle du capitaine dans une équipe d'athlétisme? Eh bien, c'est de conduire ses troupes au combat et essayer de les amener à la victoire, si possible. Son rôle n'est pas que sur le terrain. Ah non, il est également antérieur au terrain, avant, après, pendant. C'est ce qui me manquait un peu, si vous voulez, dans le temps, parce que dans le temps, il y avait des clans, vous voyez, en athlétisme. Si vous voulez, il y avait un clan lanceur, un clan coureur et un clan sauteur ou garçon de concours, du moins. Et maintenant, avec les jeunes, ils arrivent, donc on les capte, si vous voulez, et on fait un bon esprit, parce que pour faire une équipe de France d'athlétisme, c'est très dur, vu que c'est un sport individuel. Donc on ne peut pas demander une communion terrible entre toutes les équipes, c'est pas possible. Puisque chacun défend, si vous voulez, son petit truc à lui tout seul. Hein. On parle de l'équipe de France, soulée, etc. C'est impossible, si vous voulez, en athlétisme, de faire une équipe de France soulée. Parce que chacun fait son épreuve, et ensuite on est content quand on a battu, par exemple, les Anglais ou les Russes, etc. Hein. Mais à première vue, on pense déjà à battre ses adversaires pas. Vous voyez la différence qu'il y a entre une équipe de football, si vous voulez, et une équipe d'athlétisme. Et je crois que depuis 2 ans, on arrive à se réunir un peu tous. Et la preuve, au dernier banquet qui a fait France-Angleterre, on était vraiment tous réunis. Et les coureurs, c'est sûr, n'étaient pas ceux qui chantaient le moins fort, c'est sûr. À Portsmouth, justement, cet esprit a valu. C'est ce qui vous a permis de remporter la victoire. Oui, je pense aussi, oui. À Athènes aussi. Athènes, on avait un très bon esprit, tout le monde criait dans les tribunes. Et Athènes, c'était plus la victoire de tous. Moi, je sais que voir les deux relais gagner, ça m'a fait autant plaisir que si j'avais été dans les 3 premiers au 100 mondial. Un autre projet qui vous tient à cœur, c'est d'attirer. Il y a un problème, c'est que plus on voudra de performances, plus il faudra de monde dans les tribunes. Il y a eu des performances assez extraordinaires au match contre les Américains l'année dernière, il y avait 20 000 personnes. Si on fait des championnats de France avec 2 000 ou 3 000 personnes, il ne peut pas y avoir de performance extraordinaire. Je crois que, ma foi, l'athlétisme, c'est une discipline qui devrait durer toute une vie. Et je pense notamment à la présence de garçons comme Jocelyn Delecourt ou Michel Bernard au sein du comité directeur de l'FFA, qui devrait aider les relations entre athlètes et la FFA, responsable de la FFA. C'est également votre avis, Jacques Pony? Oui, vous avez... Et depuis ce reportage, Jacques Pagny, le capitaine de l'équipe de France, a sauté 8,20 m. Ensuite, il s'est blessé au genou au stage de préparation à Vittel. Mais on pense que Pagny sera rétabli mercredi 17h, heure à laquelle aura lieu la finale du concours du saut en longueur. Quant à notre sprinter René Metz, il se plaignait hier soir à Helsinki d'une légère rélongation, sans pour cela que sa participation aux 100 mètres ne soit mise en doute. Ces championnats d'Europe d'athlétisme vont composer à eux seuls le calendrier sportif de la semaine, après-demain, à partir de demain. Et jusqu'à dimanche soir, vous pourrez suivre en fin d'après-midi sur la première chaîne la plupart de ces finales. Si vous êtes encore sur la plage à cette heure-là, rassurez-vous, vous verrez des résumés filmés le soir dans Information Première Télé Soir et aussi dans Match sur la 2 en couleur à partir de jeudi soir, 20h30, deuxième chaîne. Voilà Jean-Michel. Merci Michel, nous allons revenir à la Bourse de Paris avec un télégramme d'ailleurs qui nous vient de Londres et qui annonce une forte hausse du cours de l'or à Londres ce matin. On a touché même le plus haut niveau depuis juin 69, Michel Tardieu. Est-ce qu'il y a des répercussions ou quelque chose de semblable du côté de Paris? Oui Jean-Michel, les répercussions ont été immédiates. À Paris aussi, le lingot et la barre se sont envolés. On a fait des différences de 90 francs et 95 francs, c'est quand même important et on est évidemment dans les plus hauts. Vous pouvez le voir sur ce tableau avec le lingot à 7605. On a eu du mal d'ailleurs à dépasser le cours de 7600, mais vous voyez que maintenant on est à 7605. Vous regardez aussi, si vous avez des valeurs étrangères, la colonne de droite, parce que c'est la seule que je pourrais vous passer aujourd'hui. Le caméraman est malade, je ne pourrais donc pas balayer les autres tableaux, je ne pourrais donner que quelques tableaux fixes tapés à la machine.
Et bien sûr, ce sont tous les troubles du système monétaire qui retiennent l'attention des financiers, parce que la France augmente ses réserves, le Japon aussi. Le Japon dit que ses réserves atteindront probablement 9 milliards à la fin du mois, ce qui est à comparer avec 6,5 milliards pour la France. Et la pression à la réévaluation du yen continue elle aussi. Donc, dans tout ce trouble, ce sont bien sûr les spécialistes des monnaies qui tiennent la vedette. Tandis que les réserves augmentent pour la France et le Japon, elles diminuent pour les États-Unis, et les États-Unis viennent de faire un nouveau tirage au Fonds monétaire international, ce même fonds monétaire où la France a remboursé aujourd'hui ses dettes, comme le rappellent les petites affiches de M. Giscard d'Estaing. Eh bien, les États-Unis ont emprunté 840 millions de dollars, surtout en florins et en francs belges, parce qu'ils ont peur que la Belgique et les Pays-Bas imitent l'exemple de la France et de la Grande-Bretagne et demandent aux États-Unis de leur changer quelques-uns de ces dollars qu'ils détiennent, comme presque toutes les banques centrales des pays européens. Et dans ces conditions qui sont défavorables pour le dollar, un rapport d'une commission du Congrès américain disant que le dollar était réévalué, était surévalué et qu'il fallait réviser les parités monétaires entre le dollar et les autres monnaies, eh bien ce rapport évidemment a fait beaucoup de bruit. Aussitôt la trésorerie américaine a démenti qu'il y ait des pourparlers quelconques avant la session du FMI pour une telle modification des parités, mais il n'empêche que tous les spécialistes sur les marchés ont réagi et que le dollar est descendu encore un petit peu partout. Je pense qu'on peut vous donner encore d'autres tableaux. Il me semble qu'il nous en reste un. Oui, voilà les six caves. Les six caves qui sont irrégulières, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, petite information, un rapport toujours aux États-Unis a recommandé d'unifier tous les marchés américains, c'est-à-dire Wall Street, l'American Stock Exchange et les marchés régionaux qui peuvent exister. C'est un exemple intéressant pour la France, surtout quand on sait que Wall Street tout seul fait déjà 20 fois le volume du marché de Paris. Eh bien, malgré cette dimension tout à fait exceptionnelle, les Américains considèrent que leur marché est encore trop petit et qu'il faut fusionner tous les marchés qui existent chez eux. Ici, la Bourse de Paris, à vous Jean-Michel Desjeunes. Cette édition de Télémidi est terminée. Étienne Moujotte vous présentera Télésoir à 19h45. Bonne journée.